Bon, bonjour les gens. Salut. Bonjour. Elle est mal polie, ma fille, je sais, c'est moi qui l'ai élevée. J'ai déjà dit. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est demander à Petit Cheval Cabré de nous faire la danse du soleil. Ouais, grave. Oh putain, ouais. C'est tout. Et c'est tout, hein. C'est tout. T'as pas été bon, Petit Cheval Cabré. Il n'y a qu'une petite trouée. On a pas sur nous. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Alors, aujourd'hui, on filme avec la 5. Parce que notre grand con, il a oublié la 7. On va falloir faire avec. On a un peu de temps. On a essayé la 435. Non, 535. Et la 540. Ça, ça va pas mal. C'est un peu faible pour moi. Ça va bien pour du travail au sol, ça va bien pour de la taille, du petit entretien. Celle-là, la 540, honnêtement, sacrée machine. Sacrée machine. Alors, on a un petit bémol. Ah, il n'est pas grave. Hein. C'est juste que on a remarqué, en s'en servant hier, que c'est hyper dangereux. Ça paraît un jouet. C'est hyper léger, c'est maniable, c'est tout petit. C'est tout en... Voilà, ça ressemble beaucoup à un jouet. On a eu tendance un peu à oublier que c'est dangereux. Et on a une tendance à la manier un peu n'importe comment. Il y a le problème, c'est que... Alors, on parle pas des petits jeunes qui vont y être habitués très vite. Je parle plutôt des anciens, comme moi. Comme ceux qui sont habitués à couper avec du thermique. Voilà, ceux qui ont connu que le thermique, ça va être beaucoup plus dangereux. Qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, ce qui est vrai. Mais on a une tendance un petit peu à se détendre. Et il faut pas. Et le problème, c'est qu'il faut pas. L'autre côté très positif qu'on a découvert, donc on a l'autre, d'abord on a la 535 en version sol, celle-là là. Ceux qui travaillent avec des filles, ceux qui travaillent avec leurs femmes, avec des petits bras, avec des jeunes, comme nous, on nous obligeait à prendre des grosses machines et ça nous pétait les bras. En fait ça, hier ça m'est servi. Moi elle, aussi. Elle aussi. Celle qu'on sert d'habitude à froid, je suis incapable de démarrer la tronçonneuse parce que ça me fait trop mal au poignet. Ouais. Alors ça démarre tout seul. Alors que là on appuie sur un bouton et ça c'est fabuleux. Ouais. Ouais, ça va très bien. Et pour les filles, ça va plutôt bien. Hier, elle est arrivée à tronçonner. Ça a des gros avantages où il n'y a plus personne qui ne peut pas tronçonner. Après, ce que je dis, notre inconvénient, c'est la sécurité. Faut faire attention. Voilà. Aujourd'hui, on va attaquer l'acacia. On va voir un petit peu ce que ça va lui, ce que ça va leur donner. Donc, je vais vous attacher par là. Donc, cette machine, vous la découvrirez plus tard. Cette machine, je vous la montrerai après. Les rushs que je vais faire là, vous les verrez pas de suite. Non. Vous les verrez que les rushs sont là. Voilà. Allez, avec moi, elle a dit Mylène. Allez, feu. Et t'allonges ? Pas con, ça. On prend où alors ? Là ? Là où est la goulotte ? Allez, ward ça. Pas mal. C'est de l'acacia quand même, hein, les enfants. Qu'est-ce t'en dis? Ça coupe pas mal, t'en prends plein la meuse. Ouais, ouais, bon. Petit détail, super, méga, giga important. C'est que quand vous coupez, surtout vérifiez bien qu'il n'y ait personne au sol. Vos hommes de pied, les animaux, tout ça, ils ne vous entendent pas. Dans l'ensemble, à part ça, j'y trouve pas beaucoup d'inconvénients. Ça coupe autant que la 200. Ça, c'est quelque chose que tu as du mal à faire avec... Une tronçonneuse qui a pas de chevaux. C'est impressionnant quand ça s'arrête, t'as l'impression que ça a calé. Hey, les enfants, limite ça me finit à action. Ah mon loup.
Aïe. Moi je vous le dis, elle est toute petite mais digne. C'est devenu ma copine. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je fais un câlin, une tronçonneuse. Ouais. Dit comme ça, psychologiquement, c'est pas engageant. Non. Oui, je suis très ennuyé. Les deux vont au même endroit et je sais pas comment les mettre. T'as vu ma fifi, c'est moins mou que le noyé hier. Joli. Et maintenant, démontage. Quand tu se met en sécurité. C'est bizarre là, Calpo. Y'a rien, mon amour. Allez. Husqvarna 540i. Alors là, il y a un logo Bluetooth. J'aimerais bien savoir pourquoi. On peut le commander à distance. Va falloir que je vois ça de plus près. Hé, hey, je sais, comme on l'entend pas, c'est pour la localiser. Ah! T'en prends plein la gueule, hein, le vent vient l'envers!
C'est pas mal, hein, hein, la section. C'est pas mal. Ah ouais, ce serait sympa. Et puis l'anniversaire de papa s'est passé, mais bon, on pouvait quand même l'envoyer un truc. On va essayer ça après avec la tronçonneuse de pied. Je pense que ça va. On va voir. I XP. Alors regarde, c'est de l'acacia. Ah, ça va. Ça va lui picoter gentil là. Continuer à me prendre un peu par le museau. C'est pas ridicule hein, par rapport au thermique. Pas très bien, après il faut qu'on s'attarde un peu sur l'histoire des recharges batteries. Ça dépend combien t'en as. C'est-à-dire si t'en as une pour recharger les batteries, t'as qu'une tronçonneuse, t'as que deux batteries. Oui. Donc ça va pour recharger les batteries. Ben, ça met une heure de charge, le temps qu'on coupe, ouais, le temps qu'on déblaye. Non mais la, le soir, vu qu'on rentre vers genre 19h, t'en mets une à charger direct dès que tu rentres, après ouais. T'en mets une à 22h et après oui, c'est vrai qu'il ressort, t'y arrives à pas d'heure aussi. Ah j'ai con, oh là là. Pour couper le gros là, on met pas tellement plus de temps qu'avec une thermique. Ouais. On a l'air d'en chier un peu quand même, non? Bah forcément, c'est une petite machine. Bah ouais. T'as vu la section que tu lui demandes? C'est grave. Bon après j'insiste pas, je la laisse couper doucement toute seule. Tu vois s'il y en avait un truc comme ça pour vous au sol. Aïe! Attention les épines, attention. Chantier tout électrique.
quoi, tu t'es chié dessus. Bon, la GoPro, va filmer, va filmer. Non. Allez. J'ai peur de... Mais non. Bon, vite, il se barre, là. Ouais, mais il se barre. Putain. Mais vas-y, toi. Bon, j'y vais. Tu vas vraiment filmer des boutons, là. Les amis, là, nous allons voir quelque chose de très rare sur un chantier. C'est ce qu'on appelle des moutons. On a quelques invités. Mais oh, ça marche pas. Ça dégage. Tu m'envoies la machine là-bas, que j'essaye de voir si elle veut la... Sinon je vais démarrer la thermique. Ça c'était pas trop gros. Ce que j'allais faire. C'est le top ça. Putain, j'aurais dû être black. Ouais, franchement j'aurais. C'est pas mal, hein. Eh, j'ai entendu.
Il a pété. Oh bordel, ouais. Moi je pensais pas que c'est... Moi je me suis tué. 25. Ah, j'étais roulant là. Ça fait un truc de 40 presque. Ah ouais. Regarde la section avec cette petite machine. Et jusque là, au niveau pile, on a mangé qu'une barre. Mais non, toi qu'on fait nettoyage. Non, maintenant bien, on va enlever toutes les branches qui sont là et on va tout monter là-haut et on va mettre dans nos oeils et une fois qu'on aura fini, mais voilà, c'est pas mal. Après on va attaquer ici là. Donc un acacia fait à la tronçonneuse électrique. Entièrement. Hein? Un petit mot. Ouais. Pardon. Ah, je pensais que c'était toi qui avais. Ah, c'était moi. Non, vas-y. C'est... Alors, vous déverdez, les amis. Verdict. Ben toi, surtout toi qui débute. Alors, sur t'en le penses sol, quoi? Vraiment, ça change beaucoup de la thermique, mais ça reste quand même puissant aussi. Le poids, c'est beaucoup plus léger, du coup, c'est beaucoup plus maniable. Mais du coup, il faut faire très attention puisque on a vite tendance à partir plus, ouais. Parce que comme la thermique est plus lourde, on la retient beaucoup plus. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ses appuis. Puis ça coupe, la cassière, ça coupe quand même. Bien sûr, ça reste une tronçonneuse, hein, force de découper, ça fait un certain poids. Puis clairement... Mais par rapport à la 58 que t'as habitué, j'aime bien, clairement, très concluant. Elle me va très bien aussi. Parce que toi, normalement, tu débites avec une CS2158 John Sored. Au niveau poids, au niveau machin. Niveau poids et tout. Niveau démarrage. Niveau démarrage, ça va beaucoup plus vite. Bon, le problème c'est qu'on a pu le rater. C'était la petite image de la chaîne. Mais ouais, ah bah oui. Là, on va rassurer. Aujourd'hui. Non, rassurez-vous, on va vite repasser au thermique. Mais bon, verdict, c'est pas trop mal quand même. C'est très concluant. Vraiment, rien à dire. Je pensais que c'était justement. Toi qui as essayé la 540 aussi, parce que là on peut montrer que les 535, mais la 540, t'en penses quoi? Ouais, elle est bien aussi celle-là. Et bordel, elle en voit aussi. Agnac. Ouais, Agnac. Faut pas y mettre les doigts parce que là. Ouais. Ni l'orteil. En même temps, c'est pas fait pour ça. Ouais, il y a rien du tout. Ok. Bon, Mimi, toi qui avais jamais tronçonné. Facile d'allumage déjà, c'est un plus, oui. Que moi je peux pas avec mes petits bras, et pour les gens pas très forts comme moi, c'est bien parce que c'est pas très long et c'est facile, ouais. Ça va, c'est simple, ouais. Les tronçonneuses thermiques déjà elles sont hyper importantes, moi pour les tenir, je pense que ouais. C'est bien, et puis ça a du peps, hein. Ça a du peps, ouais. Ouais. Ça a pas mal, ouais. Ouais. Chérie, t'en penses quoi toi qui tronçonne depuis quelques années avec moi? Rien à voir, ça coupe tout aussi bien pour moi. Ça coupe très bien, c'est maniable parce que c'est vachement moins lourd et il n'y a pas les vibrations qui font qu'on rende les bras plus avec une thermique. Alors sachez que Nono, elle a coupé avec la 435, ouais. Husqvarna, elle a coupé avec la 2153 John Sored, avec la 2158 John Sored. La 464 Oléomac. Donc si vous voulez, elle a un recul sur les machines. Voilà. Et toi perso, t'en penses vraiment, ça te... Moi, c'est très bien. C'est très bien, ouais. Au niveau de tes bras. Ah, au niveau de mes bras qui sont un peu abîmés, que du bonheur. Ouais. Ça fait pas mal, c'est pas lourd, donc je tire beaucoup moins sur le physique. Ouais. Aussi bien au démarrage qu'au débit. Ouais. En fait, je pense que le gros plus, c'est le démarrage, en fait, pour les filles. Le démarrage, c'est que, ouais, du bonheur. Parce que d'habitude, je suis obligée de demander à quelqu'un de me démarrer la tronçonneuse parce, ouais, que moi, les bras ne suivent plus. Ouais. Alors là, un mouton, ça marche, youhou! Ouais. Ça, c'est,
Je pense que c'est un bon compromis. Ouais. Il faut garder le thermique parce que sur du gros acacia comme ça, il faut pas. On vous l'a fait voir parce que effectivement, ça montre un petit peu la capacité max de la machine. Mais après, il faut pas. Elles sont pas faites pour couper des sections de 45. Même si elles le font, c'est les usées très le... naturellement voilà. Pour moi que d'assister avec ça. Je pense que c'est un peu gros. Ce serait un bois blanc, peut-être ce serait jouable, mais sur de l'acacia, je pense que c'est un peu gros. Voilà. Mais après, tous les deux en recul, c'est pas mal. C'est pas mal. Mmh. Pas mal. On n'a pas démarré une thermique. Non. On a tout fait à l'électrique. On n'a pas démarré une thermique et on vous fera voir ce soir l'état des piles. Ouais, réellement avec ce. Alors oui, on s'est servi de trois machines. Ouais, alors il y a les deux 535 qui est là, il y a la 540 qui est là. Les deux 535 vont pas mal, elles vont bien. Ça marche très très bien. Moi j'avais un petit doute entre les deux. Non, non, moi je dis très bien. Je pense que la 535i va très très bien. Un tour de chaîne un peu moins rapide que la 540. Elle tombe beaucoup moins vite. Ouais, en haut, ça peut faire une différence, effectivement. Voilà. Mais pour le sol, ça gêne pas plus que ça. Ouais, très très bonne machine. Un petit vol plané, non programmé. Mon de Dieu, t'as fait une cascade. Vous avez une T535iXP. Ici, on a mangé... Une barre. Une barre de la batterie. Bon, c'est pas énorme. Mais elle a fait beaucoup de débit, ça. Ouais, elle a fait du débit. En tableau de bord, on est un peu plus simple. Voilà. Mais toujours le mode éco. Et ça démarre, voilà, vous compliquez pas la vie, hein. Vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Les gâchettes sont progressives. L'autre aussi. Dans l'ensemble, c'est bien étudié. C'est bien étudié, ça les boîtes. Et après, vous avez l'autre qui est là. Hop là, ma fille. Celle-là, c'est la même que je viens de vous présenter. Alors, c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Alors, vous avez vu, elle a coupé la grosse bille qui est là. Donc, c'est une 535iXP. D'accord ? Il y a une barre électrique qui a été partie. Après, le fonctionnement est le même. Les batteries, c'est les mêmes. C'est pas mal au niveau prise en main. Les filles, elles préfèrent. C'est beaucoup moins lourd qu'une tronçonneuse de lambda. Même qu'une. Et la gueuse. Un rapport, je pense, qualité-prix qui est pas mal dans la mesure où vous économisez de l'essence, de l'huile pour faire le mélange. Les bras. Faites votre choix. Nous, on va en discuter. Il fera un choix de partir sur au moins une machine électrique pour que tout le monde soit libre sur le chantier de pouvoir travailler. On ne soit pas obligé d'attendre toujours après nous pour démarrer les machines, venir tronçonner parce qu'effectivement, les filles. Elles peuvent arriver à se débrouiller sans nous. Et ça, c'est pas mal. Ça libère un mec. Mais surtout que toi, quand t'es dans l'arbre, et que Lydie, tu es au sol. Donc, si Nono n'arrive pas à la démarrer, moi, c'est sûr que j'y arriverai pas parce que j'ai essayé. Ouais. Pas assez de force. Et donc, si Lydie, tu es occupé, c'est genre à l'autre bout ou quoi. Ouais. Ça permet d'avoir une liberté. Ouais, non, mais. Et d'avancer plus vite. Ouais. C'est ça. Donc, de suite, peut-être pas. On va peut-être attendre que la 40 sorte, histoire d'avoir une 40 au sol. Parce que la différence est quand même flagrante au niveau de la coupe. Oh, eh, au niveau de la coupe, c'est quelque chose. 540 va bien. L'autre va très bien. Bon, on est d'accord, les 35 vont très très bien. Mais honnêtement, nous on aime ce qui miaule. Il faut que la chaîne tourne. Alors sachez que la 540, ça équivaut à peu près à la MS-201. Et moi, j'y ai pas trouvé beaucoup de différence. Il faut juste prendre le temps de s'adapter à la machine parce qu'elles ont des sécurités auxquelles on n'est pas habitué. Ouais. Mais ça, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Il y a le pour et le contre. La sécurité est bien. Ça évite, ça arrête la chaîne. Donc ça arrête la coupe. Mais ça évite de niquer l'embrayage. L'un dans l'autre. C'est une question d'habitude après. C'est une question d'habitude. Je pense que c'est surtout ça. C'est une question d'apprendre à servir de la machine. Je pense que c'est à nous à s'adapter un petit peu. Oui, quand même, un peu, au minimum. Mais ça a été bien pensé. Voilà les gens. Allez, nous on vous laisse. On va finir. On va broyer. On va ratisser. Et on va y aller. Soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Et surtout, faites attention. Si vous optez pour ces machines. Ça coupe quand même. Ça coupe quand même. Oui, ça coupe quand même. Très bien.
Ça ressemble à des jouets. Mais ça n'est absolument pas. Mais ça reste des tronçonneuses. Avec tout ce que ça incombe comme danger et comme morsure. Et donc comme sécurité à observer et à maintenir. C'est ça. Il faut pas se détendre. On a une petite tendance à se détendre quand même. Ouais. Eh ouais. Voilà. Allez, ciao à tous. Ciao. On vous fera une vidéo à faire celui-là maintenant. Eh. Voilà. Donc on fait celui-là et on vous refera une vidéo. La suite. Ciao. On va vous redire bonjour et tout, c'est cool.